présente plus Claude Brasseur qui a tourné plus de 90 films et obtenu 2 Césars. Au Hall de Nîmes, il évoque avec nous la célébrité, mais du côté des illustres écrivains, son parrain Ernest Hemingway ayant été un exemple dans sa vie d'homme et de comédien. Ce serait prétentieux de dire que je connaissais Nîmes, mais je suis déjà venu plusieurs fois pour les férias. Et je réfléchis, j'ai jamais travaillé à Nîmes, non. Mais voilà, je suis venu en touriste. Oui, jamais de pièce de théâtre ici. Alors, je ne peux pas vous le dire, c'est vous qui allez me le dire. Est-ce que le théâtre de Nîmes reçoit les tournées françaises? Oui. Alors je suis venu sûrement avec des tourneurs comme Théâtre Actuel. Et, voilà. Parce qu'à chaque fois que je joue une pièce à Paris, ouais, et que j'ai la chance que ce soit un succès, je pars toujours en province. Parce que j'adore la province, j'adore le public de province. Et c'est très amusant, très intéressant pour nous. Pour deux raisons. La première, c'est que le public du Nord ne ressemble pas du tout au public du Sud, ouais, et ni au public de l'Est. Et entre la Bretagne, le public de Bretagne et le public de Strasbourg, il ouais, y a un monde. Et entre le public lillois et le public marseillais, il y a encore un monde. C'est très intéressant. Donc on voit, nous qui jouons la même pièce, ouais, les différences de réaction. Et l'autre chose qui est un peu plus technique, c'est la différence de salle. C'est très important parce qu'on passe de salles de 200-300 places à des salles de 1500. Donc la technique n'est pas tout à fait la même et ça se révèle être un exercice très intéressant. Okay. Alors dernière question, la popularité avec camping. Est-ce que vous aimez les selfies? Parce que je vois qu'il y a autour de vous des gens qui vous demande des photos, est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est trop des fois? Je vais vous dire, je déteste la popularité. Ah. Ouais, je déteste la popularité. Bon, je l'accepte quand elle est bon enfant, quand elle est gentille, comme ça. Surtout quand elle... Mais je vais vous dire pourquoi je déteste la popularité. C'est pas une vie de l'esprit. C'est parce que la popularité n'est pas un critère de qualité. Moi j'aime la célébrité, oui. Voilà. Moi j'aime la célébrité des auteurs français comme Pierre Tournier, les grands professeurs, le professeur Charpin. Ce sont des gens qui sont célèbres dans le monde entier. Mais la popularité, c'est Loana, c'est Stevie, c'est... Ouais, voilà. Oui, ah ben oui. Mais n'importe quel présentateur de météo est aussi célèbre que nous. Qu'est-ce qu'il va? Il lit son prompteur en disant il fait chaud et il fait froid. Non, je n'aime pas la popularité pour ça. Mais il y a des rapports populaires souvent avec les enfants, c'est, ouais, voilà, ça peut être sympathique. Mais parfois c'est très lourd et grossier et j'aime pas ça. Okay. Merci.